سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur C'est lui, certes, qui embrasse toute chose par sa science et sa puissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le « Muhaddithoun » sont venus après Aima. Le premier imam, si vous prenez les écoles juridiques qui sont les plus répandues dans le monde aujourd'hui, le premier imam, c'est lequel Abu Hanifa. Abu Hanifa, c'est le premier. Abu Hanifa, c'est un perse, il est d'origine perse. Il a vécu en Irak. Il est né en 80, taqriban, 80 l'Hijalah, il est mort en 150. Miochamsin Tofia Abu Hanifa. Abu Hanifa, il était le chef, ce qu'on appelle, de l'école de la vie, Madrasa rai Pourquoi Parce qu'Abu Hanifa, quand il vivait en Irak, il vivait en Irak. Et quand tu vis en Irak, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en Irak, il y avait les Perses. Les Perses, ils avaient perdu leur pouvoir quand les musulmans sont rentrés dans cette contrée. Et du coup, euh, c'est là où on a commencé à mettre des hadiths, à y mettre des hadiths, hadiths mondiaux. Et on a commencé à mettre des. On a, on a rajouté des hadith, le prophète a dit, le prophète a. Voilà. Donc, Abu Hanifa Kana, il ne prenait pas le hadith. C'est pour ça que certains frères, Allah aujourd'hui disent Abu Hanifa, calme-toi, frère. Il faut que tu connaisses le fondement de l'école juridique. Quand tu connais le fondement de l'école juridique, tu comprends. Il ne prenait pas le hadith. Pas parce qu'il ne voulait pas prendre le hadith mais tant qu'il n'avait pas l'assurance que le hadith était sahih, il le prenait pas. D'accord OK. Donc il y a est'tamel al-Qur'an. Et d'ailleurs Abu Halifa il dit wa atu haqqahu yawm hasaduh. Les ulémas disent que par exemple, la zakat la zakat, zakat al-hasad. Quand on fait zakat, zakat on la fait est-ce que tout ce qu'on récolte on fait zakat dessus Non. Les حبوب voilà. Alors, on fait zakat sur ce qui se garde. Ce qui se garde, ou quel Qu'est-ce qui se garde Les dates, l'orge, le blé, le riz, ce sont des légumes qui restent. La tomate, on ne fait pas zakat dessus. Mais Abu Hanifa, il contredit les autres. Il dit sur la tomate, on fait zakat quand même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dit wa atu wa ma Donc, le jour où vous récoltez, vous devez faire ce zakat. C'est ce que dit Abu Hanifa. Okay bon, ça, c'est le premier imam. Il a vécu en Irak. Le deuxième imam, c'est qui L'imam Malik. Ok Le deuxième imam, l'imam Malik. Comme ça, Deuxième imam, l'imam Malik. L'imam Malik, il a vécu où Médine. À Médine. L'imam Malik, il a, vécu, il, est, euh, il a vécu, il est mort en 179. C'est-à-dire, combien 79 Donc, euh, 10, 20, 29 ans, 30 ans après l'imam Abu Hanifa. Donc il était un peu contemporain avec l'imam Abu Hanifa. Mais l'imam Malik, tabi'ut tabi'i. Vous suivez les frères, c'est dars sur le mustalah aujourd'hui. OK L'imam Malik c'est tabi'ut tabi'i. Qu'est-ce que ça veut dire tabi'ut tabi'i C'est quoi la définition d'un compagnon Man huwa sahabi C'est quoi sahabi Allez, je vous rappelle comme le Coran tout à l'heure. C'est quoi le compagnon la signification, Samia al nabi wa راى النبي وتكلم معه سس... آه. <applause> بارك الله فيك دي محمد. الذى عصر النبي أو عصر فهو زد. سي ومات على, ال... ومات على الاسلام بارك الله فيك, <applause> بارك الله فيك. دي محمد. الصحابي هو الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم

C'est ça. OK Les tabi'i, les successeurs, sont qui ont connu les Sahaba, ils n'ont pas connu le prophète. Ou tabi' al-tabi'i Ils ont Mais ils ont connu tabi'i. Barak OK. L'imam Malik, tabi' al-tabi'i. Vous suivez Donc il y a les compagnons, les successeurs, les successeurs des successeurs. Les successeurs des successeurs, l'imam Malik en fait partie. OK Vous suivez D'accord. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith "Khayrul quroni qarni" Le meilleur des siècles, c'est le mien. La meilleure des générations, c'est la génération des compagnons. Ensuite, ceux qui viennent après. Ensuite, ceux qui viennent après. Ça veut dire que la meilleure des générations, c'est la génération du prophète, les compagnons. Les successeurs, tabi'in, tabi'a, tabi'in. De ce fait, il quand un avis juridique existe sur Nazi la waqa'at, fait avec le par exemple, et que Hadou l'Ulamah, ils ont donné leur avis. Le Muta'akhir, il ne peut pas les contredire. Pourquoi Les meilleurs de la nation, de la communauté musulmane, ce sont ces trois premières générations. Autrement dit, Ibn Taymiyyah, il ne peut pas contredire l'Imam Malik sur une, 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 une chose qui a existé du temps de l'Imam Malik. Attention, hein d'accord Quelque chose qui n'a pas existé du temps de l'Imam Malik et on donne un avis juridique après. L'imam Malik sur ça, on appelle ça Nazila, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est l'ulamah de l'époque qui vivent cette, cette, cette Nazila, cet événement nouveau, nouveau qui vont donner leur avis, et ça s'appelle Al-Ishtihad. Vous suivez jusque-là C'est bon D'accord. Donc on a dit le premier des, le premier des écoles juridiques, c'est qui Abu Hanifa. Le deuxième l Imam Malik. Il a vécu où l'imam Malik Imam. Fait un Voilà. Les fondements. De l'imam Malik. L'imam Malik, c'est le premier, le premier qui a compilé le hadith. Personne n'a compilé le hadith avant l'imam Malik. On revient tout à l'heure, à la fin du Qur'an, on va revenir sur la compilation du Coran. L'imam Malik, le premier qui a compilé le hadith, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mu'atta. Qu'est-ce que ça veut dire le Mu'atta en français Le facilité. Al-Mu'sahil, c'est ça ce que ça veut dire, Al-Mu'atta. Al-Mu'atta, il a mis. Il a mis des, des paroles du prophète, mais il a aussi mis des paroles de sahaba. Il a aussi mis ses avis à lui. Okay il en a rajouté, il en a enlevé. Il a. Il a, il a voilà, le livre, il n'est pas, pas défini du premier coup. al okay muwatta il contient à peu près 2 700 hadiths. À la figure, Sahih al-Bukhari, il a combien de hadiths 700 000. Combien 700 000 Non. Sahih al-Bukhari, il n'a pas 700 000 hadiths. Non. Il a entre 6007 et 7000 hadiths. Le Bukhari, il a compilé 700 000 hadiths. Il a compilé. Voilà, tu as confondu avec ça. Il a compilé oui. Jama'a al-Bukhari, c'est bien hadiths. Soit 700 hadiths. Mais dans son livre, il a mis combien 1%. Dans le livre de al Bukhari, Sahih al-Bukhari, il y a 1% de hadiths. L'imam Ahmed, il vous dit l'imam Ahmed, il a il appris 1 million de hadiths. Il connaissait un million de hadiths. Okay. On est loin. Hein? On rigole, nous. <laughs> on est très loin. Ouais. Ok. Bon, alors, on a dit l'imam Malik, il est mort en 179 à Médine. L'imam Malik, il avait des fondements de son école juridique. Les fondements de l'école juridique de l'imam Malik, il se mouha Madrasat al-Athar. Madrasat al-Imam Malik, l'école de l'imam Malik, ça s'appelle Madrasat al-Athar. C'est quoi l'Athar L'athar, c'est les traces, c'est la tradition. C'est ça. L'athar, c'est la tradition prophétique. Donc, quand quelqu'un vous dit, moi, l'imam Malik, calme-toi, frère. L'imam Malik était plus proche du prophète que toi. Hein ok Bon. Alors, l'imam Malik, Parmi les bases de réflexion et de, de méthodologie, l'imam Malik, imam Malik il, donne, il donne un avis. Un avis juridique. Il se base sur quoi Tout le monde se base sur le Quran, hein attention, hein Ok et il se basait sur l'ahadith, bien sûr, le Coran ou Sunnah. Mais il avait quelque chose comme fondement, l'imam Malik, il avait un fondement qui s'appelle « Amalu Ahlil Madina ». Pas les coutumes, oui, les œuvres. Pas seulement les coutumes. L'imam Ibn il vous dit, il n'y a pas une ville dans le monde, il n'y a pas une ville dans le monde où l'œuvre de ses habitants peut être une source de juridiction اهم بار مدينه اش معنا؟ معنا الصحابه اللي هم عاشوا في مدينه بعد الصحابه كل جاء بعدهم تابعين يعني ابناء الصحابه وتابع التابعين ابناء ابناء التابعين اوكي قلت يا بي quelque chose qui n'allait pas tout de suite on leur dit stop tu fais pas يعني ما تعهد عليه الصحابه في المدينه on peut le considérer comme source de juridiction عند امام مالك عمل اهل المدينه il y a quelqu'un Qui vient, il lui dit, l'imam Malik, qui vient d'Irak, il dit qu'il fait Nous, on dit Allahu Akbar quatre fois. Pourquoi Parce qu'un jour, il y a Bilal qui a fait l'Adhan il l'a fait quatre fois. Comment tu peux mettre ça en exergue par rapport à ce que s'est fait à Médine À Médine, on fait l'Adhan deux fois on ne fait pas quatre fois. Donc, la majorité des gens à Médine, ils le font deux fois, et ça, ça fait référence à l'imam Malik. Parmi les fondements de l'imam Malik aussi, ce qu'on appelle l'Ijtihadat l'Oumariyya. C'est quoi l'Ijtihadat l'Oumariyya À l'époque Omar ibn al-Khattab, alors, quand le prophète est mort, qui c'est qu'il a remplacé Abu Bakr. Abu Bakr. Et après Abu Bakr Omar. Omar combien il est, resté 10 ans. 10 ans. Umar, il est resté 10 ans, Barakallahoufi. Omar il est resté 10 ans. cette, il avait cette spécificité qu'il avait fait beaucoup de choses nouvelles, qui n'existaient pas à l'époque du prophète. D'abord, Omar al-Khattab, il avait interdit à certains compagnons de quitter Médine. Interdit. L'imam Ali voulait partir, il gallo, tu restes là, j'ai besoin de toi. Il avait besoin de son comité de consultation, si vous voulez. Il ne laissait pas partir les compagnons. Et les compagnons n'étaient pas tous au même niveau de le fiqh. C'est-à-dire, tous les compagnons n'avaient pas tous la même connaissance des règles juridiques. <coughs> Abu Musa al-Ash'ari, Abou Moussa al-Ash'ari, c'était un grand récitateur de Coran. Et il était, Omar, il l'a mis comme juge en Irak. Mais Abou Moussa al-Ash'ari, c'était pas un faqih. Quand euh, il rencontrait, Sahaba, Omar al-Khattab, il dit Rappelle-nous notre Seigneur. Il commençait à, à lire le Coran. Et Sahaba, tout le monde pleurait. Tellement il avait une lecture extraordinaire. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tu as eu une corde vocale, de, une corde de.

C'est-à-dire qu'ils pouvaient interpréter une règle juridique. C'était des fuqahas. Au Sahaba, ils ont dans le dans le film. OK Bon. Donc Omar al-Khattab, il avait fait ce qu'on appelle. Il avait instauré ce qu'on appelle l'Ijtihadat al-Umariya. Vous voyez, il y a al Quand Omar, il avait une nazi là, il avait quelque chose de nouveau, il cherchait. Fikitabillah. S'il ne trouvait pas, il demandait est-ce que quelqu'un a vu le prophète devant un problème comme celui-là Il n'en avait pas. C'est ce qu'il demandait. Et après, il ses Qu'est-ce qu'il a fait, Omar Plein de choses. Omar, c'est le premier qui a fait Dawawin, l'état civil. C'est le premier qui a commencé à écrire l'état civil. Omar, c'est le premier qui a fait ce qu'on appelle l'allocation familiale. Je vous ai raconté l'histoire. Hein l'histoire quand la femme, elle allait son fils, et Omar lui dit, elle commence à, il commence à pleurer, elle lui dit, allez le et Omar il discute avec les gens, et il commence de nouveau à pleurer. Il dit, mais le je t'ai dit. La troisième fois, il dit, « le Amat, sou, mauvaise que tu es. Et lui, la femme, elle lui dit, no fatima. Je, veux, je veux le, le sevrer, c'est-à-dire je veux qu'il commence à manger. Qala, ma, khattab, pourquoi Omar al-Khattab, elle ne savait pas que c'était lui. Omar al-Khattab, hein, il donne quelque chose à chaque personne, à, à chaque gamin qui commence à manger. Ala khattab, il il s'est tapé la tête. Qala, Comment de petits tu as tué Il y a un sahaba, Omar al-Khattab, il venait le matin, pendant trois jours, il pleurait, il salat. Pourquoi Il se repentait à Allah de ce qu'il a fait, vous imaginez. Ajib. Et là, il a instauré Omar al-Khattab une allocation familiale à chaque nouveau-né. Vous suivez Bon. Omar al-Khattab, un jour, il rencontre un vieux juif, chez musulman, yahoudi. Itsaka, il demande, il fait qui demande. Il dit ça. Kalou, qu'est-ce que tu fais Kalou, j'ai personne qui travaille pour moi et je n'ai pas d'argent. Kalou, comment on a utilisé ta force quand tu étais jeune et aujourd'hui tu es vieux, on te laisse livrer à toi-même Amar Omar al-Khattab d'une allocation pour chaque personne qui atteint un certain âge ou ne peut plus travailler. L'allocation vieillesse. Omar al-Khattab, vous savez, c'était quand En 635, 638, ça. Septième siècle, hein. 7e siècle, il a instauré tout ce que je suis en train de vous dire. Bon, Omar al-Khattab, euh, <coughs> il a instauré Talaq al C'est quoi Talaq al Les gens. <coughs> <coughs> Les gens, vous savez que quand quelqu'un il divorce de. D'accord, ok. Euh, donc on a dit, Omar ibn Khattab, Talaq au Les gens, ils s'amusaient avec Talaq. Vous savez que quand quelqu'un divorce sa femme, quand il dit à sa femme, il dit à sa femme qu'est-ce qui se passe après ça On attend un délai de trois mois. Elle a un délai de viduité de trois mois. Si, elle reste à la maison. Si, pendant ces trois mois, il ne se passe rien entre l'homme et la femme. Au bout de trois mois, elle est divorcée. Ok s'il veut la reprendre, il faut qu'il fasse un ce qu'on appelle un Voilà, il, re, il refait un mariage. Okay. Et ça, il peut le faire deux fois. À La troisième fois, quand elle quitte la maison, il ne peut plus se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se, se marie avec quelqu'un d'autre et il divorce d'elle. ça, okay. ça me dit al Attention. Hein. Euh, quelqu'un qui prend la femme juste pour l'épouser et la divorcer pour l'autre, non, ça marche pas. ça. Hein. C'est haram, ça. Ok. Amr al-Khattab, quand quelqu'un quelqu disait à sa femme « Ante taliq, taliq, taliq » trois fois, il le disait sur le même endroit. On considérait que c'était « talqa wahida ». C'est juste un seul divorce. Amr al-Khattab, quand les gens disaient « Ante taliq, taliq, pour lui, c'était trois fois. C'est fini. « Combien tu lui as dit deux fois ?» Il lui dit « Trois fois ». Ok. Elle est divorcée trois fois et elle ne peut plus se remarier avec toi jusqu'à ce qu'elle épouse elle quelqu'un d'autre. Et pourquoi Omar Al Khattab il a fait ça Parce que les gens ils s'amusaient avec Talab. À chaque coup, il disait à sa femme d'anti Donc il a Zayr Ali ibn Abi Talib il a, il, a, il, il a changé cette position là. OK Omar Al Khattab, il a rajouté les, le châtiment du buveur d'alcool. Buveur d'alcool, on lui donnait 40 coups de fouet. Et on lui ramenait quelqu'un à Omar Al Khattab, on lui donnait 40 coups de fouet, il s'en allait, la semaine d'après on le ramenait sous 40 coups de fouet. Il s'en allait, on le ramenait la semaine d'après. 40 coups de fouet. Qu'est-ce qu'on fait Il dit c'est pas normal, 40 coups de fouet, ça ne suffit pas pour lui. Regardez. Ali ibn Abita, Ali lui dit quand une personne elle boit de l'alcool, elle perd la raison. Quand elle perd la raison, elle peut calomnier, elle peut dire n'importe quoi. Et quand elle, peut, elle dit n'importe quoi, elle peut calomnier, elle peut dire des choses sur quelqu'un. Et le châtiment de la calomnie, c'est quoi C'est 80 coups de fouet. Donc, on va lui donner 80 coups de fouet. À partir de là, Amr al-Khattab, celui qui buvait de l'alcool, il lui donnait 80 coups de fouet. Il ne lui donnait pas 40. Amr al-Khattab, il a arrêté de donner Zakat, le allah Fatih C'est qui le Moualla Ceux dont les cœurs sont à gagner. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas musulmans. Là, qui n'étaient pas musulmans. Ils sont avec les musulmans. Donc, Amr al-Khattab, il leur, a arrêté de leur donner Zakat. Amr al-Khattab, il a arrêté de donner. Alors, ça, c'est un grand. Comment dire ça, c'est une grande décision d'Omar al-Khattab. Il a arrêté de donner les terres conquises aux conquérants. Dans Sahaba, ils allaient, hein, ils sont partis de Médine, ils ont conquis l'Irak, la Perse, ils sont allés jusqu'en Arménie, en Turquie, ils sont allés en Syrie, en Palestine, tout ça. Et Omar al-Khattab à un moment donné, stop, vous êtes devenus des soldats. Donc, Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait il a, euh, il a professionnalisé l'armée. Avant, les gens, quand le prophète... Sallam, ils disaient « Maintenant, il faut sortir. Tout le monde prenait son sabre. Et ils allaient combattre avec le prophète. » Amr al-Khattab dit « Non. Ceux qui vont combattre, ils ont une solde. On, sont, on entretient leurs enfants qui sont restés là. Et ils ont une solde. Et surtout, quand ils vont conquérir une terre, on ne va pas leur donner la terre. » Et certains compagnons, comme Bilal par exemple, étaient très virulents avec Amr al-Khattab. Ils disent « Stop. Tu ne peux pas faire ça. Le prophète n'a pas fait ça. Le prophète a fait les choses autrement. » Fat Khaybar, le prophète, il a partagé la terre de Khaybar entre les compagnons. Pourquoi toi tu fais ça Il a dit si moi je vous donne la terre aujourd'hui, que reste-t-il aux orphelins et que reste-t-il aux veuves qui sont à Médine Qu'est-ce qui reste pour ces gens-là Celui qui a perdu son père à l'époque de Abou Bakr, il aura plus la terre, elle reste à l'État. L'État va louer cette terre ou louer cette terre à quelqu'un qui va payer un, euh, un loyer ou a payer un impôt à l'État et il utilise cette terre. Mais la terre, elle ne va pas t'appartenir. Elle n'appartient pas. C'est comme ici, hein, je veux dire, la terre, soit tu l'achètes, soit tu l'utilises, mais elle n'appartient elle appartient pas à quelqu'un. Bon. Et les Sahabs étaient très virulents avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé Omar al-Khattab, il ramène un grand comité de compagnons et beaucoup de Ansar. Il y avait beaucoup de gens de Médine. Et il y avait le Muhajirin aussi. Et il leur expose le problème. Et les compagnons, ils étaient avec l'avis de qui De Omar al-Khattab. OK Bon. Donc, Omar al-Khattab, ce qu'on appelle là l'Ijtihadat al cest c'est-à-dire des, des raisonnements et des interprétations juridiques de al-Khattab. L'imam Malik, c'est un fondement dans son école, l'Ijtihadat al Il faut que vous compreniez ça, les frères, parce que les gens, aujourd'hui, on mélange tout. Mais vraiment, on mélange tout. Tu vois, des gens, ils parlent sur Abu Hanif, il parlent sur l'imam Malik. hadjib. Hadjib. Il s'est passé des choses après sur le, le Madhab al-Maliki, tout ça, mais ça, c'est autre chose. Mais on parle de l'imam Malik, le fondateur de l'école malikite. OK donc l'imam Malik il est mort quand 179, 179, ok, 179 il est Après l'imam Malik il y a eu qui, al-Shafi'i. Al-Shafi'i il est né où, vous savez? Non, pas en Égypte. Il est mort en Égypte. Il est né à Gaza, ouais. Il est né à Gaza. Il est né à Gaza quand à la date de mort, à l'année de mort de Abu Hanifa. Abu Hanifa il est mort en 150. Al-Shafi'i il est né en 150. Chef il n'a pas vécu longtemps. Chef il est mort en 204. 204, il C'est-à-dire, on dit qu'il a vécu 53 ans, chef à peu près. 53 ans. Chef son maître, c'était qui L'imam Malik. L'imam Malik, voilà. Son maître, c'était l'imam Malik. Mais, 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 il a contredit l'imam Malik sur certaines choses. Malik, l'imam Malik. Aujourd'hui, tu trouves des frères, ah, il y a un tel qui a dit, ouais, c'est bon. Non, t'as si c'est si quelque chose qui est dans le Coran, on n'en parle pas. Mais si c'est un ijtihad, si c'est une interprétation, ça reste un ijtihad. C'est un alim, c'est un être humain. L'imam Malik il disait, si vous trouvez ce que je dis est contraire à ce qu'il y a là, jetez-le. D'accord Jetez-le. Ne le prenez pas. Bon. Al-Shafi'i, il a contredit, par exemple, l'imam Malik sur certaines sources de fondement comme l'istihsan. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'istihsan, il dit « man faqad sharra » tout ça. Je ne vais pas rentrer, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans. Mais Shafi'i, c'est le premier qui a mis ce qu'on appelle les fondements de l'usul fiqh. C'est le premier. C'est le premier, Shafi'i, qui a mis ce qu'on appelle aujourd'hui les fondements de l'usul fiqh. C'est-à-dire, il a dit, pour extraire une règle d'un texte juridique, faut que tu aies une connaissance de l'arabe et une connaissance de maqasid sharia, c'est-à-dire une connaissance des dessins de sharia,

<tout> Est-ce est que tu peux en tirer des règles juridiques là-dedans? <laughs> non non oui, Non non L'imam Shafi'i dit que cette ayah est ayah, Allah subhanahu wa Ta'ala dit quand Sidna Ibrahim il demande à Allah de faire que ce pays soit en sécurité. Ce pays c'est quoi? C'est la Mecque hein. Ce pays soit en sécurité et qu'il donne aux gens croyants qu'il leur donne qu'il les comble de bienfaits. Allah subhanahu wa Ta'ala dit: "Wa man kafara" Ou un kafara » Allah subhanahu ta'ala aussi lui donne des bienfaits. Il n'y a pas de problème. Imam Shafi'i, il en tire des règles juridiques à partir de cette ayah. Il dit « Tu n'as pas le droit de refuser de donner l'aumône à un kafir. Pourquoi » Pourquoi Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Moi, je le « Moi, je lui donnerai des bienfaits ici. »« Le anna m'a dit « Le risque matériel, il est pour tout le monde. » Donc quand tu vois quelqu'un qui est face, à quelqu'un qui endort des, des clous, et tu dis non, lui, il boit de l'alcool, je lui donne pas. Non, donne-lui, maliche. Peut-être que ton aumône à toi va le ramener vers. Et surtout, ne traite pas, quand tu vois quelqu'un qui est Zahir, quand tu vois quelqu'un qui est. Ne le traite pas de. C'est pas bien. Pourquoi Tu sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala beau aller, il peut devenir. Fouday ibn Ayyah. Fouday ibn qui est devenu un grand mystique après. Qui est devenu une mystique, tout ça. Alhamdulillah. c'était un coupeur de tête, c'était un coupeur de route, comme on dit. C'était un brigand. Et quand est-ce a. Comment il est devenu, comment il est revenu vers Allah Un jour, il dormait. Et il n'y avait... avait pas d'hôtel à l'époque. Hein Donc, il y avait des endroits comme ça où les gens. Euh, des, des habitations. Euh, euh, comment dire euh, Vides hein, ou laissées bois Et les gens, ils s'arrêtaient là. Et lui, il était là, dans le noir. Et puis, il y a le chef de bande, le chef de groupe, il dit Bon, on sort ce soir. Il y en a un, il dit Non, on ne sort pas ce soir. Pourquoi Il dit Sur le chemin, il y a le faudrail Le et ibn un, il est terrible. Il va nous couper les têtes, il va nous prendre tout ce qu'il y a. Et lui, il écoute. Le ibn Ayyad, il est avec eux. Subhanallah, il dit J'ai semé la terreur à ce point. Et C'est cool, lui qui raconte. Hein, il dit et Il était dans la ville, et il escaladait les, il escaladait les, 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 non, les, les terrasses. كانت لي امرأة أعشقها كم سيدي إلى ليش زين فم يبصي دون تراس عن إلى بقى ليش زين فم بيدي جانت جا عندي كل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال إلى أنت عندي ست آية إلى فندو قال بلى يا ربي أنا الأول أن يخشع قلبي الآن اسمه لا إلى غتيه Il a arrêté, il est allé vers sa douche, il est revenu vers Allah subhanahu wa Il est devenu un grand, grand, grand mystique, je vous dis. Pour ça que l'insan, des fois, tu vois quelqu'un qui à tes yeux, il n'est pas... Non Non, non. Ne juge, ne juge pas les gens parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. L'insan, Allah subhanahu wa il demande toujours à Allah, Ok Donc l'imam Shafi'i, à travers de l'ayat de Sidna Ibrahim, il donne une leçon, il donne une règle juridique, ok L'imam Shafi'i est mort en 204, je disais. OK euh, Après ça, il y a quelqu'un qui est né en 164, et c'est l'imam L'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed, il est né en 164, il est mort en 240 à peu près. Hein. 240, il est mort. L'imam Ahmed, c'était l'élève de qui De Shafi'i. Vous voyez Donc l'imam Ahmed, il a appris de Shafi'i l'Imam chef et Shafii a pris de l'Imam Malik l'Imam Malik Shouya, il a connu un peu l'Imam Abu Hanifa ok donc vous voyez bien que ça, ça se suit il y avait d'autres écoles comme l'école de Al ou la Sofia Thaouri. mais ces écoles là elles sont parties parce que leurs élèves ils n'ont pas compilé ce que leurs imams ont dit ils n'ont pas voilà ils n'ont pas fait le travail qu'ont fait les élèves de l'Imam Malik ou de l'Imam Shafii et l'Imam Shafii il a cette particularité qui est

Ensuite, il a quitté l'Irak pour aller en Égypte. Quand il est allé en Égypte, il y avait des fatwas qu'il avait dit en Irak, qu'il avait changé. Pourquoi Vous savez pourquoi Le contexte a changé, Baraklafiq. Le contexte a changé. Un jour, il y a quelqu'un qui vient d'Andalousie. Il vient d'Andalousie, voir l'imam Malik. Andalousie, imaginez l'Espagne, pour aller à Médine. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, tout ça. Le gars, il vient à cheval, ou bien il vient à pied, ou bien il prend le bateau, et le bateau, ce pas les bateaux d'aujourd'hui. Donc, il vient d'Andalousie, c'est des mois et des mois de voyage. Avec une quarantaine de questions, il va voir l'imam Malik. Et il voit l'imam Malik, il lui pose les 40 questions. L'imam Malik il répond à quatre questions. Il reste, il dit, Mada, qu'est-ce que je vais dire aux gens, moi, à l'imam Alors, tu leur dis, Malik, il ne sait pas. Il est où le problème Vous voyez D'accord. Il dit, dit leur Malik il ne sait pas. D'autres savants vous disent que l'imam Malik ne sait pas qu'il ne savait pas. Ce n'est pas qu'il ne savait pas. Il savait la réponse, mais il ne connaissait pas le contexte de la, de la vie en Andalousie. C'est différent, vous voyez. Le contexte de vie là-bas, et surtout, ils avaient, euh, ils avaient beaucoup de al-kitab avec eux, des gens du livre qui étaient avec eux. Donc le contexte de vie était différent. Et du coup, la fatwa n'est pas la même. Mettez ça en tête, les frères. Quand une fatwa vient d'Arabie Saoudite, elle vient pour nous, la France, ça pas... la fatwa n'est pas la même. La... Les conditions de vie en France, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite ne sont pas les mêmes. On n'implique pas les mêmes contextes pour tout le monde. Al haram ou haram Il n'y a personne qui vous dira « khamar halal en France et haram en Arabie Saoudite. Oh, non, non, ce n'est pas ça ce que je dis. Hein. Je parle de Nawaz et des événements nouveaux qui existent dans la société et pour lesquels on n'a pas de texte. C'est chose qu'on n'a pas de texte. Okay c'est ce que je vous dis. Vous allez en Allemagne, tout le monde roule en vélo. Tu vois une fille avec hijab en vélo, c'est normal. Mais tu vois une fille avec hijab en vélo en Arabie saoudite. Il y a un problème. Alors attendez. La voiture. Même pas la voiture. Attendez, attendez, attendez. Ah, Isha. Ah, Isha, je vous ai raconté cette histoire. Ah, Isha, elle raconte. Elle disait qu'un jour, ça va Allah, sallallahu un jour elle a fait une course avec le prophète sallallahu alayhi wa et je l'ai Ok Je l'ai devancé. Elle a dit, et après un certain temps, elle avait pris un peu de poids. Alors sallallahu alayhi wa dit, viens, on refait, ils refont. Et qui c'est qui gagne C'est le prophète sallallahu alayhi okay? Et il dit, La dernière fois que tu as gagné, aujourd'hui c'est moi qui ai gagné. D'accord OK. Si aujourd'hui on voit un imam courir avec sa femme. <laughs> Tu n'as pas le droit de faire la prière derrière lui. C'est ce qu'on va dire. Vous avez, Vous avez vu comment on a changé dans nos têtes Vous avez vu comment on a changé dans nos têtes Voilà. On a laissé l'essentiel et on s'est occupé de... Tu vois un imam courir avec ça C'est... Ok Bon. Mais il faut remettre les choses à leur place. Le problème chez nous, c'est ça. C'est qu'on s'occupe du futile et on laisse l'essentiel. Quand je vous dis, on s'occupe du futile, on s'occupe du futile. Okay? Et on s'occupe du futile, on laisse l'essentiel. On a le haram ou haram. Personne ne vous dira que la fornication est d'eau, ou le khamar halal. Ou Ça, le haram wa haram. Mais les autres choses, ou qabla kablé, l'ejtihad, il n'y a pas de. Hein? Okay. Donc, on a l'imam Shafi'i, c'est le premier qui met au sol le fiqh. En... L'imam Ahmed, l'imam Ahmed qui est venu après, okay? il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mousnad. C'est quoi le Al-Musnad » C'est un recueil de hadith. Il y a 4700 à peu près hadiths dans le musnad. Non, non, non. Pas dans le musnad. Dans le Musnad? Bon, le musnad c'est. Pourquoi on l'appelle Moussnad Pourquoi on l'appelle Moussnad Parce qu'il a. Non. Il prend chaque compagnon, chaque compagnon, il lui donne son, les hadiths qui se rapportent à ce compagnon. أبو هريرة يرابطوا تولي حديث دو أبو هريرة عبد الله بن عمر تولي حديث دو عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود تولي حديث دو عبد الله بن مسعود سي سالمسند أوكي okay. كيتي الإلاف دو الإمام أحمد؟ كيتي سي لابن سي... سي... القيم سي الإلاف دو ابن تيمية ابن كثير نو ابن كثير سي الإلاف دو ابن تيمية ابن كثير الذهبي ابن القيم سي توس ديز دو ابن تيمية البخاري بارك الله فيك الإمام البخاري إلى بخيش الإمام مالك أه euh, استغفر الله شيخ الإمام أحمد إي باغمي لي لي شيخ الإمام أحمد de الإمام البخاري إسحاق بن راهوية إسحاق بن راهوية أن سي لان حديث صحيح باسكي يافي بوكو دو حديث صحيح dit, فوقع في قلبي ذلك القول الإمام البخاري غاكون إسحاق بن راهوية هذا القول إي Et du coup, quand il a grandi un peu, il a commencé à faire ce travail-là. Ce qu'on appelle le, la, la classification des hadiths, sahih. Yani, tout ce qui a un doute, sur lequel il y a un doute, il ne le prenait pas. L'imam euh, al-Bukhari. On raconte, il y a une histoire célèbre qu'on raconte on dit que l'imam al-Bukhari, il a fait un voyage de 30 jours, un mois, et il est allé chez quelqu'un parce qu'il avait un hadith. Et quand il est arrivé, le gars, il avait pris son camis comme ça pour appeler son, son cheval. Et il lui dit Mais tu as quelque chose dans ton camis Il dit non. Mais c'est juste pour. Ouhimou, les Alors, Je prends pas le hadith sur celui qui ment sur les animaux. Il ment sur les animaux. Astaghfirullah. Donc, s'il vient aujourd'hui, il prend le hadith de personne. Staghfirullah. Vous savez ce que c'est Il y a là, excuse-moi, on dit que C'est un mensonge blanc. Ça existe, ça Non, sauce blanc. Imam al-Bukhari, regarde, il fait un voyage de 30 jours, il ne prend pas le hadith. Et nous, bon, Allah al-Musta'al, qu'Allah il nous aide. Oui, Youssef, pardon. Est-ce que ça voulait dire que ce hadith était faux ou est-ce qu'il le mettait en suspens Non, non, non. Il mettait en doute la personne. Il ne met pas en doute. Même s'il n'avait pas la certitude. pourquoi on dit Bukhari, il est plus sûr que le musulman Tu you know sais pourquoi Parce que le. Vas-y, vas-y, Hamid. Non mais tout le monde. Non 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 tout le monde prend les sahaba, tout le monde prend le hadith comme ça. Voilà c'est quoi le critère le plus le plus les critères de... on a dit tout à l'heure que le rawi les imkun ad ok on a dit tout à l'heure sur le hadith le exigeait bukhari que celui si moi je rapporte un hadith al-Bukhari je dis que Youssef il a dit il faut que je sois contemporain que j'ai vu et que j'ai euh, j'ai côtoyé Youssouf, j'ai eu des relations avec lui, commercial. C'est ça ce qui exige le Bukhari. L'imam euh, musulman, il n'exige pas ça. C'est pour ça qu'on dit que le Bukhari, il est plus fidèle, encore plus fort que, euh, que l'imam musulman. C'est-à-dire que si je raconte quelque chose sur Youssouf, il faut que j'ai une relation avec lui. C'est-à-dire que je le connais. Pas que je l'ai entendu une fois et puis voilà, c'est tout. Ok, vous voyez Bon, alors, on a dit, après l'imam Ahmad, il y a eu l'imam al-Bukhari. Donc, vous voyez bien que les ils sont venus avant les Muhaddithoun. Avec l'imam al-Bukhari, c'est lui qui a commencé le travail. Il y a eu l'imam Muslim après, ensuite l'imam Abu Daoud, l'imam al tirmidhi l'imam Ibn Majah Al-Nasa'i. Vous remarquerez que tous les gens du hadith, Ibn Majah, c'est un Perse. Abu Daoud, c'est un Perse. مسلم نيسابور سي انتر لوزبكستان و الامام البخاري بخارى من بخارى بخارى سيو سي اون اوزبكستان وي توس ينا با ان عرب ينا با ان عرب سا فو كوا سا فو كو لا لا فرقه بين عجمي وعربي الا ب تقوى فوالا سي تو اوكي دونك فوالا الامام ابو حنيفه سي تي ان بير الامام ابن تيميه سي تي un kurde. Okay Et sans parler des andalous hein, Bon. Donc on disait, hadith on a commencé à compiler le hadith quand? Après la mort du prophète sallam. Mais combien de temps après la mort du prophète 70 ans. 70 ans après la mort du prophète wasallam, on a commencé à compiler le hadith. Et c'est un c'est un je crois que c'est Omar al-Aziz qui a demandé à, au gouverneur de Médine d'essayer de, com de, com de compiler, la... de compiler les... les dires des compagnons et les dires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le <laughs> il a dit aux compagnons, « La taqtubu anni al-Qur'an. »« N'écrivez rien sur moi à part le Coran. » Rien. OK Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète, quand le Coran y a un zèle Quand le Coran est descendu. Je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière, quand Omar al-Khattab, il est allé demander pardon au prophète, « fait sulh al-hudaibiyya » et le prophète il lui adresse pas la parole il lui dit il lui adresse pas la parole lui il parle au prophète et le prophète il lui parle pas et puis quand, quand ils ont traversé un chemin le prophète il appelle il envoie quelqu'un chercher Amr le Khattab il lui dit si je t'ai pas répondu tout à l'heure c'est parce que voilà, c'était la révélation et donc la révélation les compagnons ne se rendaient pas compte de la révélation on voyait on voyait que le prophète il transpirait beaucoup on voyait que quand il était sur une monture la monture elle descendait on voyait tout ça mais euh, on on voyait pas Jibril. Vous voyez wahy. Wahy, raïb. tu vois pas, tu vois rien. Et Rasoul Allah après, il va répéter ce qu'il a entendu, ce qu'il a ce qu'il a eu de Jibril, il va le répéter à un scribe. Un scribe, kutab al-wahy. Ils écrivaient le wahy sur quoi Sur des parchemins, sur des tissus, sur des, des peaux d'animaux, sur des des, des, des des feuilles de palmier. Ils écrivaient tout ça. OK Donc à l'époque du prophète, on écrivait le Coran sur ces choses-là. À l'époque d'Abou Bakr, après Marrakat Liyama quand il y a eu beaucoup de compagnons qui sont morts, Omar euh, euh, al-Khattab va voir Abou Bakr. Et il lui dit il faut absolument qu'on compile ce Coran avant que ce Coran voilà, disparaisse. Et Abou Bakr il lui dit comment je peux faire quelque chose que le prophète n'a pas fait Et Abou Bakr il dit pendant une semaine, il faisait Salat l'istikhara et il demandait à Allah. Subhanahu wa et là, au bout d'une semaine, Allah l'a guidé. Et il est allé appeler Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit, regardez bien, Zaid ibn Thabit, qu'il l'a appelé, ils lui ont dit, toi qui étais Mekouta bil al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, euh, tu vas compiler ce Coran. Zaid ibn Thabit, il dit, il m'aurait demandé de ramasser Hassa, jabal e de ramasser les pierres de jabal e je l'aurais fait par rapport à, 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 à ça. Parce que c'est une mission gigantesque. Et il a dit pendant une semaine, il faisait l'istikhara, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Zaid ibn Thabit بوركوا زيد بن ثابت هو شخص كي امراسي الاسلام 12 سيتي انسكريب دو بروفيت مي لا في اون ميمواغ اكسترا ordinaire الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من اراد ان يسمع القران كما انزل فليسمحه وليأخذه من ابي بن كعب وزيد بن ثابت لي دو يانا ابي بن كعب وزيد بن ثابت ابي بن كعب على فكره ابي بن كعب <coughs> عندما عمر بن الخطاب بجمع الناس فخ التراويح، مي أبي بن كعب أبي بن كعب بقراءة القرآن، كان الناس يسلمون، لقد القرآن من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمحوا على زيد بن الثابت زيد بن الثابت يقوم 40 شخص، 40 شخص، القرآن القرآن في قلوبهم Quel Quran fait qu'on voulait compiler le Quran Donc ils sont allés chercher tout ce qui a été écrit. Et il fallait deux personnes en dehors d'eux qui connaissaient l'aïa pour l'écrire. Vous voyez C'est comme un juge qui connaît la, la situation, qui connaît, qui a tort, qui a raison, mais il se met en dehors, il ramène des témoins pour savoir... Vous voyez Et lui il se mettait à cette position-là. Et donc, pour chaque aya il fallait deux personnes, ils écrivaient l'aya. Et qu'est-ce qu'ils ont fait donc ils ont mis le Coran entre deux couvertures, voilà, ok Ils ont compilé le Coran, ils l'ont mis entre deux couvertures. À savoir qu'à l'époque le Coran, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de chèque. il n'y avait pas de voyalisation, rien, c'était comme ça. Donc euh, 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 tu sais pas faire la différence entre hamun ou hamun ou jamun. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de points. Mais par contre les Arabes, tu dis comment les lisaient ça les Arabes lisaient ça parce qu'ils avaient ce qu'on appelle salir al l'arabie cest C'est-à-dire, toi, tu peux parler français sans savoir lire. On est d'accord. Sans savoir lire, il y a des gens qui savent parler français. Les Arabes, c'est pareil. Sans qu'ils regardent Rasm, ce qu'on appelle Ras, il pouvait ils pouvaient savoir lire le Coran. Bon. À l'époque de Rasmeen, il se passe. Donc, quand ils ont compilé le Coran, ils l'ont donné à qui Ils l'ont donné à Hafsa, qui était l'épouse du Prophète sallam, et qui était aussi la fille de Omar ibn al-Khattab. À l'époque de Othman, qu'est-ce qui se passe ibn al-Yaman, il vient d'Irak. Quand il vient d'Irak, il lui dit « El Les gens sont en train de se chamailler sur la lecture du Coran. Comment on va faire Il faut absolument qu'on compile le Coran comme il a été récité à l'époque du prophète, salam, et qu'on on, on apprend aux gens comment réciter le Coran. Et d'ailleurs, on vous dit, tu n'as pas le droit d'apprendre le Coran tout seul comme ça, « Iza lam yakara'ahu alayka shaykhun » Les règles de tajwid, si vous voulez, ce ne sont pas des règles que tu lis. Ce sont des règles que tu, tu prends, بالتلاقي, en écoutant. Zayd ibn Thabit, et Ubay ibn Ka'b, ils ont pris le Coran de qui Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui, l'a appris de qui De Djibril. Et lui, il l'a ramené de qui Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de lire le Coran comme ça. C'est-à-dire comme, comme tu... Non. Le Coran, il faut t'en ou d'abord. un shaykh, quand on dit shaykh, tout le monde peut être shaykh. C'est-à-dire si tu apprends ton fils, comme toi, tu l'as appris. Et c'est quelqu'un qui t'a appris. Quelqu'un qui t'a appris, c'est quelqu'un qui a le a", qui sait lire. Ok pas savoir lire le Qur'an, c'est-à-dire une lecture euh, profane, non, c'est pas ça. Qui sait lire le Coran. D'accord Parce que savoir lire le Coran, c'est une chose, savoir lire l'arabe, c'est autre chose. Tu peux savoir lire le Coran, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, les enfants, les enfants, commencez par leur apprendre le bi bimakharij al-huruf. Ok en fait, Tu apprends aux enfants comment sortir les lettres. Quand tu apprends aux enfants comment sortir les lettres, après, ils vont apprendre l'arabe. Vous voyez On ne fait pas l'inverse. Donc, ils apprennent, الحروf, ال hein ال 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 Il faut qu'ils qu sachent sortir les lettres, et après, ils apprennent l'arabe. Bon, le Coran, c'est ça. Le Coran, on l'apprend. Qu'est-ce qu'il a fait, Uthman ibn Affan, anhu, et ça, c'est un grand travail qu'a fait Sayyidina Uthman, c'est de recompiler le Coran. La première compilation, c'était de mettre le Coran entre deux couvertures. OK On a un mashaf. La deuxième compilation, c'était autre chose. Uthman ibn Affar, anhu, qu qu'est-ce qu'il a fait Il a rappelé zayd ibn Thabit, Saïd ibn Al-As, ou Abdullah ibn Zubayr, ou il y avait un quatrième, mais je pas. Bon, il y en avait quatre. Il y en avait quatre. Trois qui étaient des Qurayshites, des quoi.

الرسول صلى الله عليه وسلم يا حديث يا حديث والرسول صلى الله عليه وسلم يجي جاءني جبريل فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسأل الله مغفرته وعافيته إن أمتي لا تطيق ذلك فذهب جبريل ثم عاد قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله عافيته ومغفرته إن أمتي لا تتقوى ذلك ذهب جبريل وعاد على تخزين فاشقا ولا كاتخين إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف كسكو سبب ديخس حديث جبريل يدي le prophète الله عليه وسلم sallam جبريل dit Jibril est venu me voir et il m'a dit il faut que tu lises le Coran sur une lettre

C'est-à-dire il y avait comment on dit l'ehja C'est pas un dialecte, un dialecte. Non, c'est pas un dialecte. C'est un dialecte Non, 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 c'est pas le pas le terme exact en fait dialecte. Ça peut être dialecte mais ce n'est pas un dialecte. L'ehja, bon, on parle tous français en France, mais le français provençal et le français voilà et le français c'est pas la même chose. Vous voyez c est, c est, Ils parlent les deux français, mais il y en a et de l'arabe c'était pareil. Il y avait douze lahjahs, à tel point que il y en avait qui, quand ils parlaient, les autres, ils ne les comprenaient pas. Ok, les autres, ils ne les comprenaient pas. Et Rasoul il a demandé à Allah subhanahu wa de pouvoir lire le Coran sur la saba sur les sept, si tu veux, dialectes qui étaient établis en Arabie à l'époque. Ok, bien sûr, il y a des termes nous cirrou. Après Rasma al-Qur'an, quand Zayd ibn Thabit et Saïd ibn Al-As, Abdullah ibn al-Zubair, ils ont écrit le Qur'an, le Qur'an, il est resté comme ils l'ont écrit. Et on n'avait plus le droit d'utiliser certains lahajats. Par exemple, Inhiya illa saïhatan wahida. Certaines tribus arabes disaient Inhiya illa qaziatan wahida. Le mot qaziya on ne peut pas l'utiliser dans le Qur'an. Par contre, on peut utiliser maliki ou maliki. Pourquoi? Parce que Rasm il est le même et tu vois juste le petit, le petit khanjar. Est-ce est que tu peux lire Wad Doha Tu peux lire parce que Rasm il est le même. L'écriture est la même. Mais là où il y a le le, le le mot qui change complètement, non. Ok? C'est pour ça qu'on a une différence. Il y a Tabayano, il y a Voyez, hein, c'est euh, euh, « Nun voilà c'est « nukta » ou « nun shuruha »« Yawma natwissama'a »« Katayyi sijili »« Lil kitab » ou « lil koutoub » Voilà. Le voilà. 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 il est le même, mais il y a certaines choses qui changent, c'est tout. Mais le « lahja » non. Ok Zaid ibn Thabit, qu'est-ce qu'il a fait avec les, les, quatre, les trois autres Ils ont repris le Coran de Hafsa, ils l'ont écrit comme il fallait. Ok Ils l'ont écrit comme il fallait.

Donc vous euh, voyez si vous changez à chaque vous changez le sens. Wa yubtala Ibrahima rabbuhu ou la tala Ibrahimu rabbahu. Si tu dis wa yubtala Ibrahima rabbuhu, Ibrahim là il est complément d'objet et il est sujet. Donc c'est Rabbou Ibrahim le seigneur de Ibrahim qui va le mettre en épreuve. Mais si tu dis wa Ibrahim Ibrahimu tu mets Ibrahim au sujet fa'il, rabbahu rabbahu il devient complément d'objet donc c'est Ibrahim qui met à l'épreuve Dieu. Non, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc les gens qui n'étaient pas arabes, ils, ils multipliaient les erreurs comme ça. Donc on leur a mis un canva, c'est d'Uthman, il leur a mis un canva, comment il lisaient le Coran. Ok? Bon. Maintenant arrive une autre étape, al-Karim, qui est l'étape de Abu Aswad al-Du'ali. Abu Aswad al-Du'ali hein, c'était quelqu'un qui a vécu à l'époque des Omeyyades. Et qui avait pris la grammaire arabe de l'imam Ali. Anhu. Donc Ziyad ibn Abi qui était un gouverneur d'Irak, il lui a dit J'aimerais bien que tu mettes des règles juridiques pour les gens qui ne sont pas arabes. Euh, des règles juridiques, des règles de grammaire, pardon. Pour l'arabe, il dit Mais je ne vais pas inventer des choses. Bon. Il dit Parce que l'ajmi, c'est-à-dire les non-arabes, ont tellement fait rentrer des mots nouveaux dans notre langage arabe que l'Arabe est en train de se perdre. Et puis on raconte deux histoires. On dit qu'un jour, quand il a refusé, il est allé chez lui. Et il était sur le toit, chez lui, et sa fille elle lui dit « Ya Abati, ma ajmalus sama'i. » Non, non, « ma ajmalus sama'a. »« Qala nujumuha. »« Qala listu dalika aqsidu ya abi. »« Qala idanma. »« Le ciel est beau. » قال اذا قولي ما اجمل السماء قوليش ما اجمل فعلم ابو الاسود الدؤلي كعلم بان ال, 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 العربيه اصبحت داخله يعني العجميه اصبحت داخله في العربيه حتى في بيته مام شي لوي. الو جيكسبيك بور لي فرانكوفون. ان جور اللي كان سي في سور لو توا. سافي روكارد سيتي ان ايتي روكارد لو سيال. ايال دي Elle dit dans le sens de la phrase, euh, qu'est-ce qui est le plus beau dans le ciel Et lui il lui dit, bah ben, c'est les étoiles. Elle dit mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire euh, le ciel est vraiment beau. Il a dit mais c'est pas comme ça qu'il fallait euh, alors prononcer. Elle a dit ma Non, il lui a dit ma ajmala. Ok. Donc il a compris que même sa fille chez lui, lui qui était le maître de la langue arabe, elle faisait des erreurs. Et là il est allé chez Ibn Abi, comme on dit. Il lui a dit, envoie-moi quelqu'un, quelqu'un qui entend et qui note bien. Et il lui a envoyé quelqu'un et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a dit tu vas me voir comment je prononce le harf et tu vas mettre ce qu'on appelle un Ok? Quand je dis fa, tu mets nokta. Quand je dis qa, tu mets nokta Ok? C'est lui qui est le premier a mis ce qu'on appelle les points. Shekl, un c'est quelqu'un d'autre, après lui, un de ses élèves à lui, qui a mis sheikh sur le Coran. Okay? Et d'ailleurs, quand aujourd'hui on est arrivé à cette, à cette, à cette façon d'écrire le Coran, on vous dit, Rasm al ça veut dire quoi, Rasm al-uthmani uthmani C'est comme à l'époque de Sayyidina Uthman, on l'a écrit. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on se base sur cette, euh, sur cette écriture. Une autre fois, Inch'Allah, je vous parlerai des lectures. D'où viennent les lectures D'où viennent ces lectures-là Qu'est-ce que ça veut dire, les dix lectures La prochaine fois, Inch'Allah. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de francophones, c'est un peu. Mais ce n'est pas grave. On va, on va essayer de comprendre d'où viennent les qira'at, quelles sont les différences, tout ça. Je vais vous dire juste une chose et je finis avec ça. Euh... Euh... Quand vous lisez riwayat Warshan, un Nafia, vous savez qui était Nafia Qui C'était qui Nafia, c'était Moula Abdullah Omar. Vous savez ce que ça veut dire Maoula Un esclave affranchi. C'était un esclave affranchi. Le monde musulman aujourd'hui, quand il lit le Coran, il cite son nom. Autrement dit, Riwayat al-Qur'an, elle nous est arrivée à travers un esclave affranchi, qui a pris le Qur'an à partir de son maître Abdullah ibn Omar, qui lui l'a appris de son maître qui était le prophète. Autrement dit, sa Riwayat à lui, un esclave affranchi, a transmis Riwayat al-Qur'an que des millions de musulmans aujourd'hui lisent. Ça, c'est à méditer, les frères. Okay? C'est l'heure où. Euh, je... Deux minutes Ok. Bon, parmi les choses qu'il faut connaître quand on connaît le Coran, on vous dit quand l'insan écrit qu le Coran, il, euh, il y a ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul. C'est quoi Asbab al-Nuzul Asbab al-Nuzul, ce sont les circonstances de révélation. Si tu ne comprends pas les circonstances de révélation, tu ne comprends pas la règle juridique qu'il y a derrière. Je vais vous citer deux exemples. Le premier exemple, c'est euh, un jour, Jabir ibn Abdillah, et c'est lui qui rapporte le hadith, il dit Ya Rasulallah, il était très malade, pardon. Il était très malade. Et il dit, il avait une fièvre à tel point qu'il a perdu connaissance. Le prophète sallam est allé le voir. Et quand le prophète sallam est allé le voir, on lui dit, il est complètement dans les vapes. Il a demandé de l'eau, il a fait des ablutions. Et quand il a fait les ablutions, quand il a fait les ablutions, il a jeté cette eau sur lui et il a dit, il s'est réveillé. Quand Jabir s'est réveillé, il lui dit euh, « Ya Rasulallah, si je meurs, j'ai des enfants, comment ça se passe ?»« Fa anzal Allah subhan ta'ala kumullahu fi awladikum, et zakari mithlouhadhil unthayin » Donc, Ayat al-Mirath, El surat al-Nisa. Donc ayet al-Mirath, il est descendu à cette époque-là, et concernant Jabir mi'Abdillah, les ulama, ils en tirent une autre, une autre règle juridique à travers ça, c'est que le al wudhu tu peux t'alqibir, tu peux faire un ruqya sur quelqu'un avec ma al wodo Regardez, à travers le hadith. Il y a un autre événement, euh, un jour, quelqu'un qui s'appelle ibn Abi qui était à Mekwa, il a fait un repas. Et il, a, euh, il, a, il a fait un repas et il a appelé les gens à venir manger chez lui. Et euh, tout le monde est venu, il a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi. Quand le prophète est allé, il a dit, moi je ne peux pas manger chez toi si tu n'es pas musulman. Si tu déclares ton islam, je viens. Il a dit, ok, il a là, et donc le professeur sallallahu alayhi est allé chez lui. Et Uruba ibn Abi il avait un lien avec euh, avec Ubay ibn Khalef, qui était sur le coffret à l'époque. Ubayy ibn Khalif, il le voit le lendemain, il lui dit J'ai appris que tu es devenu musulman. Il dit Oui, il dit Écoute, chez les Arabes, il t'invite, tu ne viens pas, c'est une offense. voyez Il dit Je l'ai invité, il m'a dit Si tu n'es pas musulman, je ne mange pas chez toi. Donc j'ai dû déclarer mon islam. Il a dit Wajhuka aliyah haram. Tu m'es interdit, je ne veux pas te voir. Si tu ne vas pas voir Mohammed, tu lui craches dessus et tu lui rends son islam. Le gars est allé le faire. Il est allé voir le prophète il a dit Je m'apostasie, je ne suis plus musulman il lui a craché dessus. On dit que le crachat lui est revenu sur son visage et qu'il l'a enflammé qu'il a, qu a des traces de flammes sur son visage et il est mort avec. Et Allah descend sur lui le jour où l'injuste il va se mordre les doigts il dit pourquoi j'ai pas pris le pari du prophète wa pourquoi j'ai pris un tel comme Khalil comme ami intime la il m'a égaré et effectivement on vous dit à travers ça à travers cette règle c'est quoi attention attention là je m'adresse aux jeunes attention qui vous fréquentez Attention qui vous fréquentez parce que les gens que vous fréquentez, ce sont ces gens-là qui vont, comment dire, avoir la main sur vous et vous allez être comme eux. Vous allez être comme eux. Si le gars il est pieux, il vient à la mosquée, vous allez venir à la mosquée. Si le gars il passe son temps dans les futilités, vous allez passer votre temps dans les futilités et vous regretterez après, quand il sera trop tard. Voilà. Ok les frères, bon, je m'arrête là. Ok. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Allez, on reprendra une autre fois Inshallah, et une prochaine fois on vous parlera. C'est pas sûr que ce soit la semaine prochaine. La semaine prochaine, de toute façon, il n'y a pas cours. OK, je suis pas là. La semaine prochaine, on n'a pas cours. La semaine d'après, il n'y là. Mais c'est pas sûr que la semaine d'après, on parlera de l'Okrarah ⁇⁇ mais peut-être qu'on parlera de l'Okrarah ⁇